C'était gênant. Salut à toutes et à tous. Il est 16h, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur notre nouveau parc d'attractions horrifique sur Planet Coaster, les amis. Merci beaucoup pour vos commentaires sur justement la dernière vidéo. Je suis très content d'avoir vu un petit peu vos retours. Et comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Il y a plein de nouveautés, c'est incroyable. Je ne sais même pas par quoi commencer, étant donné que chronologiquement parlant, tout n'a pas été placé dans le même ordre que je vais vous présenter. Je vous montrerai de jour, juste à la fin de la vidéo, justement à quoi ça ressemble. Là évidemment le but du jeu c'est de s'imprégner du décor et donc on va rester dans le noir. Alors ce qu'on va faire, c'est pas chronologique mais on va faire ça logiquement. Donc on va commencer par la gauche, ce qui a changé au niveau du Ghost Cemetery. Donc le tout premier coaster que j'ai réalisé et que je vous ai montré. Il n'y a pas grand chose qui ont changé si ce n'est que j'ai rajouté des haut-parleurs ici et là avec des musiques d'ambiance. D'ailleurs c'est vrai, juste petite parenthèse, mais sur la place principale à l'entrée, il y a plein de petits haut-parleurs si vous écoutez. Voilà, des musiques d'ambiance. Tu vois que tu rentres dans le parc. Voilà, c'est pas rajouté au montage les gars, hein. C'est réellement dans le parc. C'est incroyable, c'est formidable. Donc bref, le... bah là j'ai rajouté une chaise animée, et pourquoi pas. Donc le Ghost Cemetery, juste ici, donc des haut-parleurs. J'ai rajouté quoi? De la musique, bien sûr, j'ai rajouté de la musique. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai ajouté plein de caméras de surveillance un petit peu partout dans le parc, de manière logique. Alors, je vous les présenterai tout à l'heure. Voilà, sachez-le, retenez-le dans la tête, mais... J'ai ajouté plein de caméras de surveillance, voilà, de sorte à ce que tout soit sécurisé, parce qu'on n'est pas là pour tuer des gens. Bien au contraire, on aimerait bien qu'ils passent du bon moment, du bon temps. Là, je crois que j'ai rien changé. Si, j'ai rajouté des petites fumées d'ambiance. Et là, il n'y a rien de neuf, mais je préfère refaire un tour parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Mais je crois que j'ai rien zappé. Les lumières, tout était déjà présent dans la dernière vidéo, il me semble, donc ok. Ensuite, là, au niveau de la sortie, j'ai ajouté ici une église. J'ai ajouté plus d'arbres. J'ai ajouté donc une église que je n'ai pas faite. C'est une église prédéfinie. Donc là, quand on met la lumière, bon bah on la voit. Mais le but du jeu, c'est que éteinte, voilà, hein, on ne voit pas. C'est un petit peu effrayant. On sait pas, voilà, on sait pas ce qui se passe. À tout moment, il y a une silhouette qui arrive de nulle part. C'est le but du jeu. Voilà. J'ai ajouté des lampadaires, bien sûr, des petits lampadaires ici et là. À moins qu'ils y étaient déjà, je ne sais plus. Bref, donc là, c'est la sortie et on arrive à un nouveau chemin. Juste là, le manoir hanté. En fin de compte, il faut savoir que donc ce sera accessible d'ici, tout simplement. Avant, ici, c'était un sens interdit. Maintenant, on peut passer par là, tout simplement, pour accéder. Alors là, c'est un sens interdit, vous avez très bien compris ce qu'il y a ici. Je vous montre ça juste après. Mais voilà, j'ai ajouté le manoir hanté juste là, avec ici donc le sens interdit. Ça ne sert plus à rien d'aller là-bas, puisque c'est la sortie de, du petit coaster, là. Donc le manoir hanté avec un escalier qui monte et qui va nous accéder au manoir hanté tout en haut. Donc, des escaliers avec des petites pauses, évidemment, pour pouvoir se reposer. Ce n'est pas accessible au PME. Non, PMR. Non, mobilité réduite. Personne mobilité réduite. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas accessible au PMR. Et donc, regardez le manoir hanté. Attendez, là, le but du jeu, c'est que durant la file d'attente, on voit les wagons passer. Je crois que ça arrive, là. Je vois que ça flash. Voilà. Les wagons qui arrivent. Incroyable. Des caméras un petit peu partout, hein, comme vous pouvez le constater. On va faire... Voilà. Vous avez compris le délire? Je pense que ça va être bien sympa. Donc voilà la file d'attente, tranquillement, de la musique bien sûr. On arrive, de toute façon vous avez vu l'intro, on arrive ici et donc c'est là qu'on va commencer. On va faire le run ride juste après. La sortie par ici, des haut-parleurs bien sûr. Et on va arriver sur une toute nouvelle place. Alors d'abord dans un premier temps ici, un petit coin chill. Enfin chill, dans un parc horrifique. Hein. Mais voilà, un petit coin pour se poser si on veut. Et nous avons un tout nouveau quartier, enfin j'appelle ça un quartier, mais une toute nouvelle place avec plein de flat rides et un nouveau coaster là-bas également. Donc là on descend les escaliers, c'est la sortie, donc pareil, plein d'escaliers mais avec des pauses, parce que sinon on se casse la gueule. Et pas mal de lumière. Et donc là nous avons le sens interdit. On revient à la place principale, puisqu'ici, danse des sorcières, j'ai rajouté cette petite sorcière là, magnifique. Les toilettes ça n'a pas bougé. J'ai ajouté des trucs, non? Attendez, chez les employés, là. J'ai ajouté des trucs, non? Non, j'ai rien rajouté. Excusez-moi, j'avais cru. Donc j'ai rajouté surtout, les gars, ce n'est pas n'importe quoi, ce que j'appelle le breakdance, que j'ai donc appelé le clone dance, avec plein d'automation de lumière, plein d'automation de flash, et en fin de compte, voilà, c'est la danse des clowns. C'est pour faire l'ambiance clown, tout simplement. Vous avez, les amis, là, la file d'attente. Hop, passe par la file d'attente.
Regardez les lumières, attendez, parce que normalement il y a d'automation là. J'accélère. Il y a des éclairs aussi, j'ai ajouté de la foudre. Ça a peur de fonctionner, messieurs, dames. Oh, ça marche pas. Incroyable. Ah, voilà, bon, bah il y a les flammes, voilà. Mais normalement il y a les lumières qui sont censées s'allumer et flasher dans tous les sens. Alors vous avez vu ça dans la cinématique. Ah, voilà, ça y est. Je pensais que ça fonctionnait pas. Voilà, les lumières qui s'allument. Et là, normalement, ça va flasher. Voilà, ça flash, magnifique. Ça rend super bien. Donc voilà, la file d'attente, bon, c'est très simple. L'avantage, c'est que comme c'est sombre, pareil, normalement, il y a une caméra de surveillance pas très loin. Voilà, juste là, il y a une caméra de surveillance. Il y a plein de caméras de sécurité, les gars, parce que qui dit nuit, qui dit parc d'attraction, qui dit ambiance horreur, dit qu'il peut se passer des dingueries. Donc on est là pour la sécurité. On a un clown qui nous accueille. Faut s'imaginer que ça, c'est pas. Faut s'imaginer que ça, c'est une vraie personne. Malheureusement, bon, c'est un jeu. Mais il faut s'imaginer que ça, c'est une vraie personne et que le mec peut nous courir après à tout moment. Hein. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu, moi j'adore ce flat ride, vous connaissez très bien, voilà le breakdance, c'est quelque chose que j'aime énormément, enfin le breakdance du coup ça s'appelle, voilà le power moves, c'est quelque chose que j'adore et qu'il faut absolument dans un parc ou, enfin surtout en fait foraine, et comme l'ambiance est un petit peu foraine de toute façon. Donc voilà, il fallait que je la mette, ça avait totalement sa place avec le manoir juste derrière. Donc le nouveau, la nouvelle zone à la droite ici, on arrive là. Donc on a évidemment en tête d'affiche le nouveau coaster là-bas, le gîte de la sorcière. Donc juste là, regardez l'entrée, on va faire aussi un on-ride juste après. Je vais vous montrer la file d'attente dans un instant, le gîte de la sorcière, oh yeah. Nous avons plusieurs flat rides hein. Par ici, on a là. Donc voilà, après, on est là pour la sensation, pour s'amuser aussi et passer du bon temps et pas que se faire peur. Bien que ces petits coasters, enfin ces petits flat rides font un petit peu tourner la tête. Mais vous voyez un petit peu l'idée avec la file d'attente par ici, bien sûr. Regardez comment c'est un petit peu, pas ambigu, exigu. Je sais pas si c'est le mot. Mais ça fait un petit peu peur, tu vois. Tu pénètres un peu dans la forêt. Oh, la forêt des sorcières. Oh. Et puis t'arrives là, bam, tout simplement. Et la sortie, elle est totalement rentable puisqu'elle est très rapide ici. De même pour là, pour celui-là, magnifique. J'ai pas mis le 360 power parce que je le mets dans chacun de mes parattractions. Donc je voulais pas le refaire, évidemment. Avec une entrée juste ici. Hop, la file d'attente. Tac, tout simplement. Et tu montes. Et puis là tu redescends pour la sortie. Des bancs, des poubelles un petit peu à droite à gauche. Et puis là un mini truc qui tourne, c'est toujours sympa. La sortie directe, la file d'attente par derrière dans les bois. Toujours une caméra de surveillance pas très loin. Des petites zones un petit peu sombres mais suffisamment éclairées évidemment. Ambiance posée, tamisée, toi-même tu sais. Et donc le gîte de la sorcière. La sortie est juste ici, l'entrée est juste là. Voilà pour la file d'attente, avec attention à tout moment tu te chies dessus. Puisque lui toutes les je ne sais pas combien de secondes, voilà, te fait un petit ah, je suis là. Voilà, faut s'imaginer le truc effrayant que tout le monde crie dans la file d'attente, bien sûr. On part du principe qu'à tout moment il y a un clown ou une sorcière ou un mec déguisé qui te court après, hein, évidemment. Et donc voilà, on passe par ici, la file d'attente. Et là voilà, on voit les petits trains qui arrivent. Beaucoup d'ambiance sonore. Beaucoup d'ambiance sonore. C'est surtout ça en fait. Hein. C'est même pas trop. C'est même pas tant les sensations, c'est surtout de l'ambiance sonore aussi. Là on rentre. Bonjour. Avec là, une animation également. Voilà, bonjour, ça fait plaisir. Voilà, c'est cool. Et là, on rentre dans les wagons, tout simplement. Et puis la sortie va se faire là. On va faire un on-ride dans quelques instants. Je vais vous parler également de ce coaster avant de le faire. Je vous montre les petits détails. Voilà, des caméras à chaque remontée mécanique au cas où il y a des problèmes. Voilà, j'essaie de faire ça du mieux possible, du mieux RP possible. Là, on a un nouveau coaster qui est en construction. Voilà, vous voyez que les employés sont en train de travailler d'arrache-pied, comme vous pouvez le constater. Et j'ai une bête d'idée, je vous en parle tout à l'heure. Là, j'ai une bête d'idée, les gars. J'ai une bête d'idée, vous allez être fiers de moi avant même que vous me proposiez quoi que ce soit. Et puis là, un dernier flat ride, le Pathos. Hop, voilà, le Pathos. C'est sympathos. Voilà, avec la file d'attente par ici, tout simplement. C'est très classique, très simple. Caméra de surveillance, toujours. Donc voilà, on va faire le manoir hanté, messieurs, dames. On va faire le on-ride du manoir hanté. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai très très hâte de voir vos retours. Et puis voilà, tout simplement. Après, voilà, n'oubliez pas que je vais pas pouvoir faire un milliard de modifications. Puisque ce qui est stylé, c'est qu'on a un créneau à respecter. Halloween, c'est bientôt. Allez, on fait le on-ride, les gars. J'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas le pouce bleu.
Et voilà les amis, alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un circuit très simple avec un seul étage, relativement rapide, c'est court, hein, certains me diront évidemment. Faut vraiment partir du principe que c'est vraiment juste quelque chose de d'ambiance. Voilà, c'est quelque chose d'ambiance, c'est quelque chose d'auditif. On peut s'imaginer que quelqu'un nous poursuit à l'intérieur de temps en temps pour nous caresser les cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en réalité, voilà, quand on va dans des fêtes foraines, il y a des trucs comme ça. C'est à peu près kiff-kiff. J'aurais aimé que ce soit plus sombre pour pas qu'on voie trop de choses en même temps. Malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. Mais en tout cas, voilà, vous avez l'idée. Faut pas oublier que on est dans une démarche RP. Faut quand même accepter voilà, certains défauts du jeu. Il y a des trucs qu'on a vus, des défauts, etc. Mais voilà, il faut partir du principe qu'à tout moment, il fait plus sombre. À tout moment, il y a quelqu'un qui nous poursuit. Et voilà, c'est surtout de l'ambiance sonore et auditive. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous proposer du coup le nouveau coaster. Un coaster, vous allez voir, j'ai voulu faire... Pareil, c'est très forain. J'ai voulu faire ça de type fête foraine. Le truc qui te pète le dos littéralement, bon il y a des trucs dans le genre américain, mais l'idée, voilà, c'est pas que, comment dire, ça monte, ça descend, ça tourne, ça te casse le dos. C'est totalement ça en fait, vous allez très vite comprendre l'idée, et voilà, c'est juste pour le kiff. C'est de manière un peu forain, donc les montées des chaînes sont relativement rapides. Bah, en fait c'est ce que je vous avais parlé dans la précédente vidéo, hein. Je vous avais dit que l'idée c'est que ça fasse un truc qui casse le dos. Alors évidemment on n'est pas là pour briser les os, mais tu m'as compris pour l'expression. Donc voilà, on va faire un petit tour, pareil, donc c'est un petit peu mignon. Enfin c'est un petit peu mignon, je veux dire c'est rien de bien méchant, rien de bien folichon. Par contre, juste après ce on-ride, je vais vous parler de mon prochain projet, le prochain coaster, ça va être une pépite. Alors, petite subtilité, j'avais oublié de le dire, mais c'était un petit peu mon flex, c'est que le manoir, le gîte, finalement, le gîte de la sorcière, ce truc-là, eh ben, c'est moi qui l'ai fait totalement, intégralement. Alors, la majorité, toutes les constructions que vous voyez, c'est moi qui ai fait, comme j'ai expliqué, à part tout ce qui va être maintenant 3D et ce manoir-là. Ce building-là, c'est quelque chose du workshop. C'est vraiment le seul truc que j'ai chopé. Par contre, voilà, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est un truc basique. N'importe qui peut le faire. Je voulais faire d'ailleurs une ouverture spéciale. Mais par contre, le gîte, là, j'en suis trop content. Alors là, il y a une automation qu'on n'a pas pu voir puisqu'on avait le deuxième wagon. Mais ça le fait surtout sur le premier wagon. Faut regardez, hop, ici. Voilà, ça casse. Mais faut s'imaginer que ça le fait à chaque wagon. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Voilà, Planet Coaster oblige. On ne peut pas pousser à 100% notre créativité. En revanche, voilà, je suis relativement content. Vous m'en direz également ce que vous en pensez. En termes de RP, de réalisme et de sécurité, je crois que tout y est, très clairement. Venez pas me dire que c'est trop brutal, que c'est trop rapide. C'est totalement faux. J'ai mis les ralentisseurs qu'il faut. Et au niveau du kilométrage et des jets qu'on se prend, c'est totalement ce qu'on prend dans la vraie vie quand on fait ce genre de choses. Très clairement, voilà, à un moment donné, voilà, il venait pas me dire que c'est pas possible et que là on meurt. C'est juste improbable. Donc voilà, tout simplement. Et c'est cool parce que c'est le genre de truc, je sais pas comment vous dire, mais l'ambiance que ça provoque, d'ailleurs pour ainsi dire, mais les gars, le même week-end où cette vidéo sort, je suis à une fête foraine, c'est juste formidable. Mais donc voilà, moi ça me fait vraiment penser à cette ambiance-là, fête foraine, où ça te donne tellement froid dans le dos là de faire ce genre de choses. Bref, incroyable, ça m'excite. Donc voilà, un petit peu...
Un petit peu pour ça, je vais vous mettre, alors on va mettre le jeu en pause, je vais mettre le jour, on va mettre 10h du mat, comme ça vous allez voir le changement d'ambiance totalement. Voilà, tout de suite c'est un petit peu plus, plus mignon et plus accueillant et encore. Donc j'ai fait vraiment un mélange d'arbres, je sais pas s'il y avait déjà ce mélange d'arbres dans la précédente vidéo, mais j'ai rajouté tout ce qui va être un peu automne, puisque c'est vrai qu'en fait c'est le SC, on est en automne finalement. Donc pas que le sapin, il y a pas mal de sapins, voilà, mais également tout ce qui va être chêne, j'ai aussi mis il me semble du frêne et du bois de bouleau. Mais de manière automne. Alors de jour, voilà à quoi ça ressemble. C'est totalement automnal. Et puis de nuit, bah ça rend vraiment, voilà quoi. C'est totalement logique. Voilà. Donc au niveau du projet ici, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un nouveau coaster qui va être juste du génie, que j'appelle Clown Tueur. Là, faudra vraiment s'imaginer que les clowns veulent nous buter totalement. Donc déjà, bon, j'ai repéré quelques petites structures qui pourront nous faire plaisir. Par exemple, cette animation de porte. Mais également cette arche à tête de clown et cette porte de montagne russe qui s'ouvrira avec le coaster. Voilà, ça c'est les premiers éléments. Également, alors là il faut remettre la nuit pour ça. Il faut remettre la nuit, mais ça c'est quelque chose qui va être bien sympa. Voilà, genre, je sais pas, dans un bâtiment ou voilà, pour faire vraiment psycho. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et puis là, ici les confettis. Hop, les confettis de clown quoi. Hein. Tu m'as compris, t'as capté le délire. Et en gros, ce coaster-là, il est incroyable. Il est incroyable parce qu'il s'agit du SLV, Montagne Russe Navette de type Looping. Je ne connais pas, hein, les gars. À la base, je ne connais pas ce coaster. Par contre, tout ce que je sais... Alors, excuse-moi, monsieur, je vais éviter de te faire bobo, donc je vais te déplacer si ça ne te dérange pas. En fait, ce coaster-là est incroyable puisqu'il nous propose des choses de fou. À savoir, alors évidemment, les rails standards, les rails alternatifs et des rails plats. Bon, jusque-là, pas de problème. Sauf qu'il nous propose... Une section montante à roues, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 96 km/h. Ça veut donc dire qu'on peut laisser ça plat et utiliser ça comme propulsion. Enfin, j'appelle ça propulsion, hein. Mais en gros, voilà ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que si je veux, le truc, regardez la vitesse qu'il va prendre. Voilà. Bon là, il n'aura pas le temps d'aller jusqu'à 96 km/h, mais vous avez à peu près l'idée. Également... il a donc une section montante à crémaillère, donc lui qui va jusqu'à 23 km/h. Bon, ça c'est la base. Il a des roues d'entraînement, ok, les ralentisseurs et la zone de freinage. Il y aura une zone de freinage à la fin. Mais ce qu'il a en plus de la section montante à roues qui permet donc d'avoir ce boost jusqu'à 100 km/h quasi, eh ben c'est le turbo de navette propulsée. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, ça va nous permettre d'atteindre les 100 km/h. Ça va surtout nous permettre, regardez bien, tout simplement, concrètement, voilà, c'est qu'en gros, le minecart, oh là là, excusez-moi, Minecraft, le wagon va aller sur le rail, voilà, on peut décider à quelle vitesse il rentre dedans, combien de temps il reste à l'arrêt, et il va repartir en fait en arrière, au bout du certain temps qu'on lui a demandé. Il va repartir en arrière, bon là du coup il va aller à nulle part, il va tout simplement mourir, mais en gros, voilà ce qui va se passer, tout simplement, mon idée, et d'ailleurs, normalement, c'est un coaster avec plusieurs wagonnets, hein. D'accord, c'est comme ça, voilà, je sais pas combien de wagonnets on peut mettre. Là, l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs trains et qu'il n'y ait qu'un seul wagonnet. De sorte à ce qu'on accueille jusqu'à 4 personnes, grand max, parce qu'on reste dans un truc horrifique qui fait peur. Et on veut qu'il y ait un seul wagon qui... Parce que si on met un screamer, ce sera que le wagon du devant qui va être impacté. Ceux de derrière, ils vont même pas avoir peur, ils vont rien ressentir. Là, là tout simplement, le premier... Le premier, ce sera toujours le premier, quoi. Il aura tout le temps toutes les frayeurs. Et là, le but du jeu, c'est que le mec va se retrouver dans un piège. En gros, voilà, il y aura un circuit, il y aura des sensations, il y aura très probablement du looping, des inversions, voilà. Mais il y aura surtout ces passages où, tout simplement, il va se retrouver à aller en avant, il va retourner en arrière, il va retourner en avant, il va retourner en arrière. Et en fait, de manière effrayante, il va revenir en arrière, il y a un clown qui va apparaître de nulle part, il va repartir en avant, le clown va être ailleurs. Vraiment le truc, le piège de Saint-Gouin. Et puis après, il va repartir ailleurs, il va faire un looping, inversion, sensation, il va aller à fond les ballons, et puis après, il va repartir en arrière, il va... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'imagine vraiment le truc du clown tueur, mais totalement baisé le machin. Donc ça va être vraiment de la dinguerie. Le truc de psychopathe quoi. Vraiment le clown tueur à l'état pur. Tout simplement. Donc je suis même pas sûr d'utiliser cette porte là en vrai. Ça va surtout être ça. Mais voilà, l'idée ça va être vraiment avec plein de rires de clown. Genre ça va être malaisant. Mais malaisant dans le sens vraiment on va pas se sentir bien quoi. Et par contre on va se sentir libéré quand on va s'envoler en faisant un 3-6 dans le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà le grand projet. Et en fait ça va être vraiment le grand coaster.
et qui va avoir sa place ici. Et en fait, après ça, je pense qu'il n'y aura plus de coaster. Déjà, on n'a plus la place, hein, totalement, c'est le but du jeu, on va pas trop en faire. Mais surtout, voilà, là, tout le terrain-là va être utilisé, aménagé. Donc, ce qui va nous rester à faire, il n'y aura donc que trois coasters. Un coaster moyen, enfin, je sais pas lequel on peut considérer de moyen et petit, mais... Parce que ça, je considère ça comme un kiddie coaster, et encore, c'est quand même relativement sympa, mais on va appeler ça un kiddie coaster, pour être un peu débile. On va appeler ça un casseur de dos, casseur de dos coaster. On va appeler ça un casseur flotteur, et puis ça, on va appeler le grand coaster, voilà, le vrai coaster. Donc ça fera trois coasters, et le reste, c'est des flat rides. Le but, c'est l'ambiance. Et après, le plus important, ce qui nous restera à faire avant l'ouverture d'Halloween, c'est de s'assurer que tout soit bon. Que tout soit sécurisé, qu'il y ait suffisamment à boire, à manger, suffisamment de bancs, suffisamment de poubelles, suffisamment d'employés et d'espace à vivre pour créer des ambiances, etc. Je vais vous montrer les caméras de surveillance, tiens, pour que vous voyez un petit peu, une idée. Je vais rentrer dans cette caméra tout simplement. Et en fait, toutes les caméras, on voit tout le parc. Donc là, on a cette caméra-là qui nous permet de voir jusqu'à les escaliers, tout simplement, si quelqu'un se casse la gueule. De voir là qu'il n'y a pas de pickpocket, qu'il n'y a pas de malaise, tout simplement. Voilà, ensuite on a plein d'autres caméras. La caméra là, elle est où? Là, c'est la file d'attente pour la danse des sorcières, mais aussi pour la file d'attente ici, là, pour les autres flat rides. On a ici, bah pareil, le flat. Bon, là, du coup, il fait pas nuit, hein, mais attendez, vous voulez peut-être qu'il fasse nuit? Ah, j'ai bien compris. Bah, il est déjà minuit. Hop, voilà, il fait nuit. Voilà, donc là, ça permet de voir toutes les files d'attente ici. Hop. On a quoi là? Ah bah là on est dans le manoir. On est dans le manoir hanté. Alors j'ai mis la lumière. Voilà, on est dans le manoir hanté. C'est incroyable. On voit absolument tout, quasi tout. On a ici donc le cimetière. Les caméras sont quand même relativement dans le noir, bien dissimulées. On a voilà l'attraction casseur flotteur, le gîte de la sorcière, donc le petit coaster qui casse le dos. Pareil, de nouveau une vue sur le manoir hanté. Comme ça on peut tout voir. Voilà, vous voyez ça. C'est vrai que dans le noir on voit ce truc là, mais il faut s'imaginer que on le voit pas tant que ça et que ça apparaît d'un coup quoi. Faut faire preuve un peu d'imagination. Là, le coaster, voilà, tu m'as compris, hein, tout simplement. Là, bah pareil, le train fantôme, voilà, avec plein d'éléments décoratifs que je me suis kiffé à faire, enfin décoratifs. D'ailleurs, vous pouvez voir du coup les haut-parleurs un petit peu dissimulés ici et là, une caméra là-bas, voilà. Ici, bah c'est le bah, juste au-dessus des nourritures, des stands de boissons. Devant la sortie de la danse des sorcières, pareil, juste au-dessus pour voilà pour tout ce qui va être paiement, hein, voilà, on a besoin de caméras de surveillance dans ces endroits-là, pareil ici, voilà, chaque endroit, là ça permet aussi voilà de vérifier qu'il n'y a pas de problème de quelqu'un qui s'introduit chez les employés, tout simplement, sans évidemment, vous avez vu, c'est bien calculé, le but du jeu c'est pas d'entraver à l'intimité des employés, voilà, c'est juste pour qu'on s'assure que personne ne rentre. Là c'est pareil, le coaster. Et je crois encore un train fantôme ici. Et je crois qu'on arrive vers la fin. Pareil, là c'est chez les employés, mais sans entraver à leur intimité. Au-dessus des boutiques. Là c'est la file d'attente du breakdance. La sortie de ce flat ride. Et voilà, on a fini. On a fait le tour des 15 caméras, je crois. Pourquoi je dis qu'il y en a 15, je ne sais pas, mais pour moi il y en a 15. Bon, il y en a pas mal. Il y en a pas mal et ça recouvre vraiment pas mal le parc. Ah, il pourrait y en avoir. Oui, je suis un petit peu idiot. Je vais en rajouter au niveau des escaliers ici, la file d'attente là. C'est vrai que j'en ai pas mis là. Et puis c'est vrai que la sortie ici, il n'y a pas de caméra. À tout moment ici, il se passe des dingues. Surtout qu'on est vraiment à l'écart du parc ici. Hein. C'est vraiment l'extrémité du parc. Je rajouterai probablement des boutiques également. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Boutique souvenir par exemple. Donc voilà un petit peu dans l'idée. J'ai hâte que vous me dites ce que vous en pensez. J'ai très hâte de vous lire. Voilà, n'oubliez pas le pouce bleu. J'ai très hâte de commencer ce coaster également parce que vraiment ça va être une pépite. Mais une pépite, vraiment. Je veux pas trop m'enflammer, mais ça va être vraiment bah voilà le giga coaster du parc en tout cas. Donc vraiment ça va être ça promet d'être vraiment lourd. Vraiment vraiment lourd. Donc les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, maximum 2 pouces bleus pour l'engouement. Et franchement, Halloween, il faut le fêter cette année, les gars. Si vous osez pas, si vous l'avez pas fêté, si machin, prenez-le au sérieux. Halloween, c'est important. Non, non, mais Halloween, c'est super chouette comme fête. Il faut le faire. Voilà, il faut qu'en France, ça devienne quelque chose de normal. Et plus tabou. Voilà. Des bisous, les amis. Peace. Et vive les clowns. Ciao, tout le monde.